salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Everland 2 sur PC. J'espère que vous allez bien, que vous êtes fin parce que moi, oui, on va tout de suite continuer. Vous pensez la même chose que moi? Oui. Génial, alors on s'en va, je suis certaine que vous êtes très bien de débrouiller. Ils ont pris mon temps dans l'épée, mais il te suffit d'éviter les gardes. On ne peut pas toujours isoler par la violence, tu sais. Toujours aussi bavard à ce que je vois. Je te fais confiance pour me sortir de ce trou. J'ai plus d'épée. Faisons un petit tour de la zone. Il n'y a l'air de rien avoir par là. Oula, on va se calmer, hein. Alors voyons voir à quel point il peut nous voir. Moi je suis caché. Je suis dans l'ombre. Ninja, ninja, ninja. Allez, salut. Ah. Ok, là je me suis fait repérer par les deux. Alors qu'un seul n'était censé me voir. C'est bizarre. Alors. Ah ouais, non, mais d'accord. Je suis vraiment un teubé à me faire voir comme ça. Ok, donc là ça va pas être dur. Faut juste se mettre ici, attendre qu'il passe. Pardon, désolé pour le bruit du micro. Allez, salut, hein. Ah. On récupère son arme, hein. Ah non, une étoile. Ça veut dire quoi? J'étais pas obligé de passer par ici. Une blague? Une blague? Hein? Qu'est-ce que blague? Non mais Kyo, mais qu'est-ce que tu fais au juste? Je me dis pas que tu crois vraiment que tu vas pas pouvoir passer devant les gardes crachant dans le carton. Je me demande parfois où tu vas chercher des idées pareilles. J'avoue. Enfin bon, si t'amuses ici, c'est bien. En tout cas, je t'aurais pas vu. Ok. Ah, oh, flûte, c'était pas le bon chemin. Ah, flûte. Enfin, si, si justement, c'est le bon chemin. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux d'ailleurs. Alors, me dis pas que je recommence par là. Genre. Pas grave, j'aurai un jour. J'aurai. Ah mais non. Je veux voir ce qu'il y a là-haut. Je veux voir. Ah bah bravo moi. Je vais faire. Petite mais.
Ok, on peut pas passer par là. D'accord, j'aurais fait tout chemin pour rien, c'est pas grave. Tout cet or. Je suis fort. J'ai comment envie de voir? Rien. Alors on se balade. Les portes sont parfois ouvertes, mais ça ne veut rien dire. Sans le mot de passe, impossible de s'évader. J'avais trouvé une super astuce. Pardon. J'ai réussi à trouver un miroir pour pouvoir la lire. Bah bravo. Ouais, bah là, c'est sûr que j'ai lu. Alors. Allez, salut! D'accord, je veux bien l'admettre. Tu avais raison, cette histoire de carton, c'était une bonne idée. Mais aussi, comment voulais-tu que je devine que ces soldats sont si scriptés? Non, ce n'est pas le mot auquel je pensais. Aussi incapable de voir un carton qui se déplace devant eux. Enfin bref, bien joué. J'espère que l'étoile sur 20 sera aussi simple. So here, bro. Qu'est-ce que c'était au fait de cette chanson? Ah oui. Le chevalier Robert s'en va au nord. Le chevalier Robert n'a jamais tort. J'ai oublié la suite. Ok. What? Vas-y mon ami, passe. Viens, on est bien. Allez mon ami. C'est long ces phases quand même. Elle est tard plus. Les magies utilisant un système de numérotation très ancien. La lettre C valait 100. Ce serait pas les Grecs, ça. Ah ouais, d'accord, le mec. Pfiou. Encore un kilomètre. Si je connaissais le mot de passe complet, je n'aurais pas besoin de creuser comme ça. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il contient le mot brocoli. Ok. Ok, je suis très fort. Très 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 fort. Ah là 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 là. C'est pas grave. On réussira cette fois-ci. Sans faire de bêtises. Arrête de siffler, on dirait un arbitre. Hein. Kuro, ça sent bien meilleur ici. Et c'est un peu plus propre. Je suis certain qu'on approche de la sortie. En fait, c'est quoi cette histoire de votre passe? Peut-être que d'autres prisonniers ont des informations? Tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe. Ceux qui tentent de passer cette porte doivent donner le mot de passe. Tout le monde connaît la dernière partie du mot de passe. Quel légume m'adore? Bah brocoli.
Et le plus fort, si je compte jusqu'à 5, j'obtiens 104. Quel sort choisis-tu? Lutte. Je croyais que c'était la fin. Non, non, c'est la mort. C'est la mort. Fort moi quand même. Ok. Que se passe-t-il ici? Ok, donc c'est un chemin comme ça. Ouais, va les siffler encore plus. Attends le toi mon cher, merci. Toi aussi, merci. Toi dernièrement, merci. Je comprends pas. Qu'est-ce que je dois chercher en fait? Ça n'a pas l'air d'être là. Ah oui, je suis con, oh là là. Excusez-moi des termes. Il me faut mes armes. Retourne-toi. Merci. Ah ouais, d'accord, quand même. J'essaie de me concentrer un peu hein, pour essayer de voir où je peux aller. Je suis en train de faire un tour comme un con. Je suis en train de faire le tour comme un con. Ok. Donc, s'il y a ça là, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Non, me dites pas que non, non, non. On va quitter.
prendre. Est-ce que je veux voir ce qu'il y a là-bas? Oh non, oh non. Oh non, ne fais pas ça. Oh non. S'il vous plaît. Bon ben. Que faire? J'ai pas le choix. Hein. C'est chiant. Ouf, on est sorti de la prison. Et où est-ce qu'on a encore atterri? Et voilà le premier challenger. Allez, ne soyez pas timide, avancez, je vous prie. Moi, je vous en prie plutôt. Pardon, ok. Bienvenue au Grand Colisée. Ils s'affrontent chaque jour. Les meilleurs guerriers et les bêtes féroces. Un peu de silence pendant que je présente le candidat, merci. Je disais donc, aujourd'hui à ma gauche, de très jeunes mais très puissants guerriers remplis de la foule de la jeunesse. J'ai levé. C'est quoi votre nom déjà? Il n'y a pas ton vrai nom, ça pourrait te tirer des ennuis. Votre nom alors? Oh. J'ai nommé l'incroyable, fabuleux, l'extraordinaire Solid Snail. Alors dites-moi, tout ce Disney est en forme blonde. Oui. Formidable, ce Disney prévoit une victoire écrasante. Il va faire la pâtée pour vous tourner sur l'adversaire. Ah bon. On me fait justement signe que le premier adversaire de ce Disney arrive à l'instant. Mesdames et messieurs, je vous prie de tourner sur l'immense extraordinaire Manimal. Poilu des dresseurs d'ours de tout l'Empire. Ces ours sauvages ont été dressés de façon à attaquer toutes ces petites par Manimal. Alors Manimal, dites-moi tout, quel est votre secret? J'utilise un mot-clé spécial pour donner à mes ours d'attaquer. Un mot-clé, dites-moi. C'est formidable. Et de quel mot s'agit-il au juste? Eh bien, je regarde mes ours dans mes yeux. Je leur dis chop. Et ils attaquent. Manimal, il y a un petit accident. Tout pense à croire que vous soyez intervenu dans le combat avant que celui-ci n'ait commencé. Vous êtes disqualifié. Celui de Sénégal devra combattre seul les ours de Manimal. Car oui, mesdames et messieurs, le combat continue. Si vous voulez retourner dans le cloche pour attendre la fin du combat. Il semblerait que tu doives t'en sortir sans avoir une fois un Solid Snail. Pour votre Audrice, ces ours ont l'air plutôt coriaces. J'espère que je pourrai retourner en arrière après. Ce sera vraiment chiant si. Bonheur d'applaudissement, mais. C'est une victoire écrasante de Solid Snail. Et sans plus attendre, nous passons au deuxième combat de la journée. Venu du fin fond des grottes de Valicor, maître des armes orientaux, petit certes, mais décidément costaud, les géniaux, les agiles, les extraordinaires, et Kira Ninja. Ah, il semblerait que. Bien que. Formidable! Et Kira Ninja! Les tortues ninja! Et sans plus attendre, que le combat commence! Avec tes fesses. Bientôt de l'être. Level up.
Mais je glisse. C'est une victoire éclatante de Solid Snail. Snail. De l'amour. Quelle force. Vraiment. Formidable. Et ça suffira pas à impressionner votre prochain adversaire. Avant de vous présenter, je voulais vous faire prendre personne à tenir assister au prochain combat. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir applaudir. Sa Majesté, l'Empereur Lothaire. Alors, colonel, où est là donc le jeune homme dont vous m'avez parlé? Oui, votre excellence, c'est bien lui. Il s'appelle Solid Snail, si j'ai bien compris. Et c'est bien grâce à lui que Luffy a réussi à s'échapper. Je vois. Je vous ai pourtant bien dit de ne pas lui faire aucun mal. Professeur Giraud a besoin d'elle. Nous avons essayé de la capturer sans problème, votre grand honneur, pardon. Mais ses pouvoirs, quoique faiblis, restent suffisants pour repousser mes hommes. Retrouvez la coupe plus vite, je compte sur vous, colonel. À vos ordres, votre majesté. Et de l'autre côté, grand Magus, comment on progresse sur le front? Nous avons pris le pont de Mayenne, votre excellence, enfin votre altesse. Le roi des démons se cache quelque part au nord et tente de rassembler ses armées. Nous avons un plan pour trouver son camp et nous pourrons ensuite attaquer Demonia. Mais si vous nous autorisez à utiliser tous les moyens à notre disposition, cela sera vite réglé. J'imagine que vous voulez parler de la nouvelle arme que le professeur Giro a mise au point. Oui, votre majesté, vous avez bien vous autoriser son utilisation. Je suis certain que la guerre sera déjà gagnée et que les démons ont vaincu. J'y réfléchirai, grand Magus. Cette guerre est déjà une bien vilaine affaire, essayons d'y mettre fin. Et pourquoi? J'en crois les rapports du colonel, des moyens plus conventionnels devraient être suffisants. Il en sera fait selon la volonté de votre altesse. Je vais faire prévenir le jeu. Professeur Giro, son arme restera dans son laboratoire pour l'instant. Si la situation venait à se dégrader, je me repencherai sur la question. Je comprends votre majesté. Si vous voulez bien m'excuser. Il me cache quelque chose, mais quoi? Voyons ce que donne ce combat. Il paraît qu'un démon particulièrement puissant a été capturé par les sorciers du grand Magus. Non sans avoir tué plusieurs d'entre eux, ce dernier qui. Exploitant à soi. Sans plus attendre, voici notre prochain combattant. Entre droit de valer les steppes du noir, sa force est bien supérieure à l'état de main. Je peux être enragé, mesdames et messieurs. Mélos, le démon féroce. Let's go. Mélos, un petit peu avant ce combat que l'on espère tout incroyablement sanglant. Je ne peux pas mourir ici. Formidable, c'est sur les combats. Commence. What? Voilà. Salut Mélos. Tu es fort. Tu as gagné mon respect, mais je ne peux pas mourir ici. Que dirais-tu de t'enfuir avec moi? Je connais un passage qui permet de sortir du Colisée, mais seul je ne pourrais pas quitter la ville. Alors qu'en dis-tu? Oui. Pas de temps à perdre, allons-y. Vous allez vraiment me laisser ici tout seul? Moi je peux pas sortir, d'accord. Y a-t-il quelque chose de l'autre côté? Je peux pas y aller, d'accord. Allez, ciao! Où allez-vous? Hé, attendez-moi! En arrière, c'est chiant. Nous y sommes. Nous devrions pouvoir accéder au sous-sol hors de mon chemin, Solid Snail. A tout de suite.
Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'entre cette vidéo et la prochaine, j'irai recommencer une nouvelle partie pour retourner en arrière et essayer de prendre le chemin qu'il y avait là-bas. Je vous dirai ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était TheStel pour ChatGPT. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.